arrive, je pense. This is live. Oh, Canadien qui est parti. Atrivium pour les aliens. Subaccess pour les marines. On part sur un 2-2 de la part des aliens. C'est pas possible. Donc ce sera un 3-2 en fait. 3 à gauche, 2 à droite. Du côté des marines, on est sur un 3-2. 3 à gauche, 2 à droite. Live qui est parti. Computer lab et bateaux de ventilation qui sont claim par les marines. Et on ne prend pas du tout crevice de la part des aliens. On part directement sur d'attaquants. J'ai l'impression les 6 qui sont posés un peu loin de réacteur. Pendant la première échauffourée sur Crossroad. C'est parti. On se tire un peu dessus. Je clash, il se prépare la partie. Premier sang groupé par Solus. Le Merco des Virtual Selection, bien joué. On est à 2 Marines au tapis, 3 Aliens au tapis, et Pipo qui va probablement mourir. Bien joué de la part de 16 qui se la donne sur Computer Lab. Et pendant ce temps-là, sur Data Core, ça avance les et Aliens qui n'ont pas réussi leur push. Crossroad, j'avoue, Estot il attend tranquillement. Et ça va attaquer Reactor Core malheureusement. Il va falloir défendre cette future. Oh, elle vient d'être posée. Oh, ça pourrait être tellement dur. Chris qui est tout seul avec son gorge, il va tenir. Il y a deux marines, c'est compliqué. Pipo qui est tout seul, il y va pas. Il y va en reprochaine. Mon dieu, Pipo qui tombe. Le chef qui arrive par derrière. On y va à parade. De la part des Virtual Selection. C'est un début parti tellement compliqué. Oh, et Nick qui se fait backup. Trusher qui tue de côté, le pot. Oh là là, et Harvester qui va tomber. Ça, mais c'est tellement dur. Krivaes qui est finalement 6. Mais l'harvester, le first harvester alien qui... Aïe 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 aïe... Ils sont trois dans la base, hein, mais... Allez, Pipo doit attendre son pote, voilà, Pipo. Là, il faut qu'il couvre, il faut qu'il couvre, c'est ça le problème. Là, ils pourront ouais, pas. Allez, sub-access pendant ce temps-là, maintenant, on peut être dans come out, come non, out, non, non. On va pouvoir tuer les réacteurs quand il n'y a pas de commandant, les mecs, faut y aller, il faut annoncer le come out. Le call qui a peut-être été fait, je ne sais pas, Lou qui a peut-être tué Yax, et non, oui, il l'a entre-tué. Ah non, c'est Clash qui l'a tué, pas derrière. Allez, on pose le l'arm slab. Allez, allez, allez. Ouais, ouais. Du coup, là, on va faire faire sortir un Welder quand même. Oh là là, le ouais, les Welders sont disponibles dès le début de la game. C'est interdit de venir ici quand t'es marié, quand t'es alien, c'est très très dangereux. Faut regarder avant. Oh, regarde, c'est une réception. Le drifter qui s'est fait attirer par le. Du coup, il l'a entendu, c'est vraiment dommage. Le loup. Attaquer 16 is radical. Oh, Lou qui prend cher, il est caché derrière la petite arc qu'on ne voit pas quand on a envie de dessus, mais il y a une petite arc, une petite arche même. Oh, il prend pas cher, ça va aller, on va aller encercler, ouais, c'est bien joué, Solus qui doit init, Solus qui doit init. Solus qui va tanker comme d'hab. Il est dans la partie, il est aussi le français, ils vont pas là, c'est pas 5 points. Oh, le call qui a été un petit peu tardif, mais ça va passer, un seul alien au tapis. Ça passe pas. 3, ah oui, il a eu Lou quand même. 3 aliens au tapis. Bien joué, ça de la part des radicals qui ont bien réussi à handle ce push. Pas eu de synchro, pas eu de synchro. Il était pas ouais, la synchro qui n'était pas là. Kriva et son pète le cyst. Alright. Ouais, évidemment, il tue le drifter en même temps. Les balles qui traversent les drifters qui sont un peu en mousse. Oh, Yax qui va probablement tomber. Par contre, là, faut peut-être pas trop déconner. Et faut résister cet harvester. Très très vite là. Le commandeur qui est out. Voilà, résister rapidement. Il est où, il a réacteur encore? Il pose des 6 et des clogs en fait, Chris. Ok, pour l'instant, la fly control qui se fait gangbanger. Mais bon, c'est jamais qu'un bout de métal, alors c'est pas très grave. Les Marines qui posent Datacore, qui posent Crossroad. Les Marines qui sont à 4 ressources tower. Puis un bon moment et qui y restent. Ça, c'est plutôt bien pour en termes de team qu'on est à 16 kills Marines, 10 kills aliens. Donc clairement, un avantage pour les radicals en ce début de game. Les drifters qui tombent comme des chemous. Ça veut dire mouche, mais en verlan. Computer Lab, encore une fois, on s'est fait déchirer. Là, c'est dur, hein. Voilà. On a envie de faire des blagues dégueulasses quand je dis déchirer. Crossroad. On a dit qu'on arrêtait de parler de dames, donc non. C'était des blagues sur les mamans. Ouais. Et sur l'accouchement aussi. Alors pendant ce temps-là, qui est attaqué par Eni et Trusher, qui vont probablement venir à bout de cette Starvester, hein, parce qu'on l'abandonne. On abandonne l'Harvester. Celui, c'est du choc, qui n'y vont pas. Ça sent le rush. Hein. Ça sent le base rush. Je crois que les. Je crois que le bad start qu'ils ont fait. Le problème c'est qu'ils vont se faire intercepter quoi. Ouais là ils vont se faire complètement intercepter. Hein. Ah, ah Estot, il est là mais il est alone. Y'a personne à part le commandeur. Il est tout seul. Il est tout seul, regarde. Il attaque le il attaque l'IP. Qu'est-ce qu'il fout? Ah Estot, c'est pas il check. Y'a un gars qui arrive. Oh là, là, ils arrivent juste... pas, ils arrivent pas. Voilà. Il cherchait l'arm slap peut-être, je trouve.
Voilà, les mines qui sont tués, du coup ils vont pouvoir revenir à la base, y accéder tout seul. Ouh, Aristote qui pourrait se le faire, bien joué de la part d'Aristote, qui va peut-être même réussir à s'en aller. Ouais, faut pas déconner quand même, Clash, qui autrefois jouait dans un groupe de rock, ouais. Plutôt badass, c'est parti. Any Thrasher qui pénètre dedans, Fly Control, le contrôle des avions. Il s'en doute qu'il est là, mais il l'a pas vu. Oh dommage, ah, Lucio qui perd le contact avec son marine, mais il aurait pu tellement le tuer assez vite là. Pipo, 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 pipo. Oh, Solus qui est caché, qui passe par derrière. Bam, Any, tu vas t'en prendre 3 dans les dents. Ouh, et il prend cher quand même un Thrasher qui est réactif, qui vide tout son chargeur dans la queue de ce petit Skulk, alors que Crossroad et Data sont attaqués, et il décide d'arrêter d'attaquer. Crossroad, on laisse même pas un Skulk dessus. Mais le problème, c'est que... Oh là 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 là. Ouah, Thrasher, il est tellement bon. Quel salaud ce Thrasher, là, il y va à bruit pour bruit. Et d'accord, ça tombe, d'accord, ça se vend. Allez, on joue classique, on joue classique. Allez, voilà. Et oh, motivation, bien joué, c'est... Sumit réception, pour l'instant là on a un double front enfin qui est ouvert. On commence à être un peu en difficulté, nous commentateurs, ça y est, c'est parti, il y a des choses qui se passent de tous les côtés. Qu'est-ce qu'on fait? Il retourne Pap à la barre 7, hein. Il retourne à la subaxe. Ouais, il retourne effectivement, il est vu par le truc. C'est pas mal, je pense que c'est bien, ça oblige les Marines à réagir. Pourquoi il y va pas? Il a peur. Il a peur, mais il y a Marines qui coupent bien, il a vu le point rouge, il sait quoi. Il a repéré, c'est fini. Hein. Eni. Non, c'est 3 chaînes d'un coup. Il vise bien Eni, hein. Bien. Luchok qui va peut-être pouvoir se faire cette RT pendant que le Drifter est détruit sur Raptor Core et que la Vester est encore une fois mise à mal, équipe des méchants Marines. Oh Pipo, il a plus beaucoup de vie, il s'en sort, mais il pourra pas détruire le Marines qui laisse la Vester périr. C'était un shotgun comme qui est tombé, ça c'est dommage. Comme si un peu. Poisson hors de l'eau, j'allais dire. Il se dandine, il a peur, il souffre, il a mal. Ils ont carapace, hein. Donc ils ne mourront pas du premier coup, mais en battant par contre, ils s'en prennent, il est mort. Voilà. Ouais, bien sûr, on n'a pas dit ça, ils ont fait carapace. Si on fait un point rapide sur les évolutions, hein, les Marines qui ont la phase gate, qui vont probablement en poser une dans peu de temps et qui sont bientôt. Qui sont 1 et qui vont passer à 2 d'attaque. Et on a 5 RT. C'est beaucoup. Et la phase gate est toujours pas posée à la base. Ah, je dis ça évidemment, il le fait. La phase gate qui est posée sur Data Core, mais il n'y a pas de phase gate à la base. Du coup, même si elle est up, c'est pas grave. Allez, on y va. Oh, Yama, là, là, là. Luchok qui était pas avec son pote en même temps. Ils se sont fait cartonner en même temps. Deux SG, c'est pas évident à prendre. Et c'est Eni qui fera le double kill d'ailleurs. Bank Reactor Core s'est repoussé. EX qui était un peu tout seul. Surtout, je suis obligé de se focaliser sur un endroit. Et du la coup. PG et qui là, est up ouais. Des deux côtés. Data Core qui va être renforcé. Ça va être compliqué de prendre cette PG. Et Pipo qui prend cher. Aristote qui arrive par derrière. Ça, voilà, il a un très bon shot. Il s'enfuit par la PG. La Pragé, c'est plutôt pas mal. Aristote qui est dans la marre de Sixin qui l'achève. On est à 4 Marines dans Data Core. Ça va pas être possible d'attaquer ça. Il faut attaquer autre part. Il faut attaquer Fly Control. Il faut diversifier son angle d'attaque. Au bout d'un moment, il va tomber sur Vester avec Revice. Et je rêve ou il a pas foutu de Drifter. Ah, si, il en met deux, d'accord. Pas de Drifter. Combat qui se passe sur ce mid, Fly Control qui se fait attaquer. Ça attaque. Pendant ce temps-là, Glacial Way, ça fait un push, ça fait du pressing. Pressing sur Glacial Way. On pète le Drifter. On a mis des clogs, mais ça sera peut-être pas suffisant. On va passer par la droite, ensuite par la gauche. Ouais, ça retourne sur Reactor Core. Les Marines sont de nouveau sur Reactor Core, Fly Control qui est tombé, mais c'est un bien maigre coup pour les Marines. Et les Shudion qui font trop de dégâts. Les Shudion qui font trop de dégâts, on est à 39 kills Marines. Oh, c'est 19 kills Alien. Oh là là, Pipo qui fait un premier kill, qui pourrait faire un deuxième kill. What? J'y ai cru, Mais le support du commandeur qui aura sauvé ce bon Pipo. Ouais, mais c'est un commandeur qui est bien meilleur que toute l'équipe, hein. Faut comprendre ça aussi. Hein. C'est une canaille. Il est pas des radicals GER quoi, c'est des radicals EU. J'avoue que c'est un peu tendancieux de changer de team. Oh là, le bus sur Reactor Core pendant ce temps-là. Les Marines qui sont mis à mal et qui sont toujours vivants. Premier feu qui font premier skull qui tombe et deux Marines qui tombent, donc ce sera. Il va falloir qu'il tue le dernier par contre, qui déconne pas. Ouais, exact, le renfort de Thrasher. Voilà. Ça devrait aller à l'MG. Faut empêcher le recap de ces shotguns de toute façon. Ça c'est très important, ils ont perdu 3 d'un coup, c'est très bien. Ouais. Il faut continuer comme ça. Pas perdre ses formes, surtout que les fades mettent du temps à arriver, on est bientôt 10 minutes, il y a toujours pas de fade. Alors que normalement tu dois les voir au bout de 6:30, quoi, c'est dur. C'est très dur. Les radicals, ouais, ça attaquerait le summit réception pour l'instant là. Les radicals qui aiment bien poser des observatories à chaque fois qu'ils se posent quelque part. Ils avancent vraiment en mode on pose un siège quoi. Oh là là, ça se fait charcuter sur c'est passé là, c'est cool.
dans ce mythe, celui qui est tout seul. Un deuxième marine qui tombe, loup. Là, c'est de la très bonne temporisation, c'est dommage qu'il y ait personne ailleurs, mais ouais. C'était très très... Ah, ça pouvait attaquer sur de la Arte et tout. Ah, bon, oui. On a beaucoup d'Arte, on a combien d'Arte là, de part des marines? Ils ont 6 depuis un bon bout de temps maintenant, ça doit faire 2 minutes. Bon, on va dire, allez, pour de vrai, ça va faire 4 minutes. Ouais, ils oscillent entre 5 et 6 quoi, c'est vraiment pas mal. 2 minutes, ah ouais, c'est très bien. Alors que là, de côté, on oscille entre 1 et 2 quoi. C'est pas bien. C'est pas mal de se payer des extra, et on va bientôt être à 3, on est à 2-2, on a les mines. On a 2 PG, les et là, les fights sont tous sortis, ça y est. Enfin, tous quasiment. Tout le monde sort son fight. C'est des fights sans carapace, hein. C'est des fights qu'on peut pas passer, c'est des carapaces, quoi. C'est des fights à poil. Des fights à poil. C'est des fights portugais qui viennent d'être sortis par l'équipe des Virtual Selection. No, no offense to the Portuguese peuplade. Il y a encore, mais t'as vu, encore mis un observatory à Summit Reception, quoi. Ils voient tous les mecs. Alors là, attaque d'accord et Summit en même temps, c'est bien ça. Oh, le choc qui prend le tellement cher. Le choc qui s'est cher. Fait, bah ouais, mais bon, 4 Il s'est fait défoncer 3, dans le dos, mais d'une force. C'est le seul à traverser et ils avaient 3 shotguns. C'est le seul qui a foncé dans le tas. Ils ont tous fait un demi-tour les autres et puis Luchog a fait l'erreur d'essayer de traverser tout le monde, ce qui n'a pas été possible. Ah, c'est rude là. Flash paid. Il y a un fade qui fait par Aristote également. On va avoir 4 fades. Luchog qui a perdu le sien malheureusement. Qui est déjà à 10 de Perez. Ah non, 1 de Perez, autant pour moi. Allez, crossroad pour l'instant à 4. Il a pas mis un coup de nu, la pression. Il lui a pas mis de coup oh, non plus. Pipo il lui a pas mis de coup non plus. Qui est mort sur Summit. Ouais. Si, il lui a mis un qui est mort coup sur Summit. Ouais, j'ai vu. Ah, sur Summit. Ouais, ah, j'étais. Mais ouais, lui, en tout, sur les 5 rushs de fade, il y en a pas un fade qui a mis un coup quoi. À la fin, il y en a un qui a été mis, c'est tout. C'est qu'il y a, il y a un gros problème avec les fades. Il les maîtrise pas du tout. 53-26, les fades qui ne font pas leur taf, qui devraient être puissants. Oh là là, solution. Ouh là là, voilà. Oh mon dieu, Aristote qui va prendre. Sur le premier passage, t'es supposé mettre au moins un coup sur quelqu'un. Quoi. C'est très important parce que sinon, c'est pas encore encore que j'arrive. On a le 3 damage, regarde l'harvester qui souffre là. De toute façon, là, ça va bientôt être pilé parce que là, ils vont, à mon avis. Ouh là là. Et ça attaque Summit Reception alors que les 3 marines sont sur React encore, il y a que 2 marines possibles sur Summit Reception, c'est pas mal. On pourrait se les faire, mais les fêtes qui vont à la main base, j'ai l'impression. Ouais, mais bon, il y a une PG. Il y a tout, hein, et PG. C'est la même chose, hein. Ça va être le même, hein, ça se faire le combat à bas, faire le combat au milieu, ça reviendra exactement au même. Ça va beacon, et ça ouais, va beacon. Ça beacon. Le commandeur qui l'a sélectionné. Et là, en plus, je veux dire, les buter ici, c'est terrible parce que alors là, c'est récupération directe du shotgun sans aucun problème. Les marines reprennent tout de suite les PG aussi, hein, donc. Si c'est peut-être pour casser complat derrière, mais même pas parce que du coup ils ont tous beacon. En fait, il aurait fallu attaquer les phasegates en même temps, quoi. Ouais, voilà. Il aurait fallu peut-être un gorge qui attende, tu vois, en fufu derrière. Ouais, un coup de bail bomb. Deuxième biomasse. Troisième biomasse. Moins de la bail bomb que la dernière fois. Et plus de bail bomb dans la première partie qu'ils ont fait. Ouais, ouais. Après, ils ont fait un regard. Ils sont deux contre un là, deux contre un, vous êtes supposé le tuer là. Voilà. Allez. Il y a un premier kill qui est fait. Et là, maintenant, c'est d'empêcher le recap, c'est très important aussi. Ah, trop de temps. Ouais, voilà, celui qui perd son fade. Ouh, vous avez chopé dans le coin, lui. Voilà, mais de loin en plus, hein, le shotgun là qui a fait BAM. On perd 2 fades dans l'histoire. 3 fades. Ils ont carapace sur leur fade ou pas encore là? Pas encore. Parce que c'est ça qui est dur. Ça ne saurait tarder. Ils sont à une seule ressource tower. Enfin, ils sont à un seul armée. Bientôt arme 40, prototype lab, jetpack, avec lance-flamme et tout. Là, ça va être terrible parce qu'en plus, je crois qu'ils ont. Ah, je vois pas. Ils ont encore des périodes. Je vois pas comment les virtuels sélections peuvent remonter ça. Avec un harvester là, c'est. Faut tenter le tout pour le tout. Il faut un rush base concret. Il nous a fait une bêta. Et voilà. Luke est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a eu un suicide. Il est tombé dans le trou d'entraînement, le mec. Ah, il a fait une bêta. Il a fait une bêta, ouais. Mais bon, avec un fade, c'est plus grave. Enfin, la vraie bêta, c'est ici que tu l'as fait. Hein. Voilà, à Crossroad. Avec un vrai fade. Mmh. Dans une vraie partie. Dans une vraie partie. Contre les Sonamen. Je sais plus contre. Oh, Pipo qui se fait choper. Allez, bim, bada, boum, bam, ça rentre dans React encore une fois. Solus qui est mis sous pression, qui va probablement mourir pour sa batterie. Et le Drifter qui n'aura pas le temps de crachoter ses petites enzymes salvatrices pour cet Harvester. Qui encore une fois va mourir, le destin de l'harvester de réacteur core qui malheureusement est vraiment horrible, hein. Sauf que là ça passe à 5-7, là c'est
C'est encore pire que tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, il y avait quand même... Oh, pff, allez, en plus, il peut les nanos sans problème. Oh, c'est de la mouise quand même. Hein. Ah, il peut les nanos. Puis là, quand ça va passer... Quand ils vont tuer les fées, dès qu'ils auront les lance-flammes... Oh, Lou qui pourrait faire un kill, mais qui se suicide en voulant le faire. Lou, ouais, qui perd son fait sur ce mythe réception. On sent c'est l'énervement dépit, ouais. Et la fatigue c'est du dépit. Dans les yeux des virtuelles sélections. Parce que là, il y a quand même 5 personnes qui sont passées et c'était encore 2 en vie. Donc, ils sont énervés. PG qui pourrait tomber. Ils sont énervés, ils sont très énervés. Peut-être PG qui pourrait tomber. Non, mais ça rush la base. Ça va avec Glock. Ça y est, enfin, ça attaque les, avant, les ça radicaux casse, qui, ouais. qui ça prennent casse. La position. Ça peut être les 6, ça peut être les carapaces, on y va. Faut péter les oeufs, faut pas avoir peur. Marines, les aliens qui peuvent pas spawner. Je sais pas pourquoi ils pètent pas les oeufs. Lou qui va y spawn, qui va du coup punir. Ah non, même pas. Oh! Oh là 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 là, le choc qui sort. Alors les marines qui sont condensés dans leur base, c'est jetpack. Tellement horrible. Ils vont chercher leur jetpack. Ouais, ils vont. Il leur a sauvé la vie d'ailleurs. Il leur a sauvé la vie. Ouais, il leur a sauvé leur shotgun, mais bon, vu la reste qu'ils ont, c'est pas trop un problème. Un lance-flamme qui est acheté également. Un lance-flamme, 4 shotguns. Voilà, moi c'est réglé. Avec des jetpacks. Et full rouler, jetpack. Je laisse. Ouais. Et là, bah alors là, ça va être méga trash. Gada Zuluvig. La PG qui a été détruite sur ce mystérieux quand même. Ouais, mais là, en échange, tu perds ta live, quoi. C'est. Bon, cette game qui va se terminer. Bon, puis bon, Enik, il lâche rien. Oh là là, voilà, le GG, lutte choc qui va dans la ready room. Ce lance-flamme qui fait. Il fait pas beaucoup mal au fade, hein, mais il fait extrêmement mal au Skulk. C'est vraiment une saloperie. Excuse-moi, j'ai. Tu es en train de vomir. Les radicaux!